à Argenteuil. Vous êtes à la tête de liste de la liste à l'Argenteuil Tous Ensemble, qui rassemble des citoyens, des associatifs, soutenus par des partis de gauche et est rejointe désormais par Europe Écologie Les Verts. Alors tout d'abord, première question, dans quel état d'esprit abordez-vous les deux dernières semaines qui restent avant le 28 juin, donc avant la date d'élection ? Eh bien, dans un très bon état d'esprit, on l'aborde d'ailleurs collectivement, pour différentes raisons. D'abord, certains nous avaient mis un petit peu outsider, on ne passerait pas le cap du premier tour. Eh bien voilà, depuis 19 ans, c'est la première fois qu'on n'aura pas à faire un duel Motron-Doucet, mais il y a une liste alternative qui propose bien plus qu'une alternance, mais une véritable alternative. C'est la liste Argenteuil Tous Ensemble, avec Françoise Pacha-Stigler et moi-même, et en réalité, 55 colistiers qui vont faire la route, qui vont faire le chemin ensemble, soutenus par, je le rappelle quand même parce que c'est assez important, la France Insoumise, le Parti Communiste, le NPA, la Gauche Démocratique et Sociale, Génération, et vous avez raison de le souligner, on a été rejoint par Europe Écologie Les Verts. Autant dire qu'on a toute la gauche, mais la vraie gauche, celle qui ne trahit pas, qui se retrouve à ce second tour, et il va être temps, sans aucun doute, de mettre une tannée politique à ceux celles qui se prennent pour les barons locaux, c'est-à-dire à la fois M. Motron et aussi M. Doucet, dont le bilan est largement catastrophique. Et concernant l'emploi, qui est un enjeu majeur pour les Argenteuillaises et les Argenteuillais, que propose la liste Argenteuil Tous Ensemble ? Alors, c'est une question très importante, parce que sur Argenteuil, c'est 18,5% à peu près de chômeurs sur la ville. C'est 30% concernant les jeunes, et dans certains quartiers populaires, c'est 40-45% de chômage. Avec, on entend bien, toutes les tensions sociales qui vont avec. Le fameux système D que des jeunes mettent en place parce qu'ils essayent de se débrouiller tant bien que mal, parce que c'est extrêmement compliqué pour eux. Ils ont quitté l'école sans diplôme, sans formation adéquate, et évidemment, aucun répondant sur le marché de l'emploi. Donc vous voyez, cette question de l'emploi, elle est transversale sur un ensemble de questions. Si on n'y répond pas, il faut assumer alors tous les désordres sociaux qui vont avec. Et ce à quoi on assiste depuis 19 ans, le système Motron, le système Doucet, c'est un système clientéliste. C'est-à-dire offrir quelques emplois à quelques-uns pour quelques voix. Mais ça ne marche pas comme ça. On a des dizaines de milliers de jeunes qui demandent un emploi, sur Argenteuil ou ailleurs, il ne faut pas se raconter l'histoire. La marge de manœuvre financière d'une municipalité, vous savez, elle est de l'ordre de 10-15%. Il y a des frais incompressibles, donc une ville comme Argenteuil ne peut pas créer des emplois pour tout le monde, c'est une évidence. Mais elle peut, au détour des services publics, en créer un certain nombre. Et c'est ce que la liste Argenteuil Tous Ensemble prévoit de faire. Dans les crèches, autour des écoles et dans les écoles, évidemment, tout ce qui va relever des centres de soins, dont on a déjà parlé, mais c'est extrêmement important. Construire du logement social, ça veut dire un encadrement aussi autour de ces logements sociaux. Et nous, on veut dire ici très clairement qu'il faut qu'il y ait 40% de logements sociaux à Argenteuil. On n'est pas de ceux qui disaient « trop de social, tue social ». Ça rappelle une certaine histoire, notamment Valls à l'époque, mais que Motron a su mettre en musique. Motron, c'est très clair pour lui. Il veut se débarrasser des plus indigents, des plus pauvres, de ce qu'on appelle nous les quartiers populaires, pour mettre des classes moyennes qui pourraient selon lui voter pour lui, parce que d'un autre niveau social. C'est pas comme ça qu'on gère une ville. On la gère pas pour pouvoir être élu. On la gère pour répondre aux besoins de la population. Et donc sur la question de l'emploi, j'y reviens, le développement des services publics, ce sont des milliers d'emplois potentiels pour les Argenteuils et les Argenteuillaises, et notamment les plus jeunes. Alors est-ce qu'on a les moyens de créer du service public à Argenteuil? Ça, c'est une question à laquelle je veux absolument répondre ici. Motron, en effectuant des emprunts toxiques auprès de la banque Dexia, je ne rentre pas dans les détails techniques, puis Doucet, en gérant ces emprunts toxiques, y compris avec le gouvernement socialiste dont il faisait partie à l'époque, eh bien, ces emprunts toxiques ont coûté aux Argenteuillais environ 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, il faut qu'on entende ce que ça veut dire. C'est de l'argent des Argenteuillais qui est parti directement dans les banques, sans qu'aucun Argenteuillais, aucune Argenteuillaise, aucun jeune ne voit la couleur du point de vue de l'emploi, du point de vue des services publics, du point de vue de tout ce qui pourrait être, par exemple, des espaces verts, du bien-être sur la ville. Donc vous voyez, les fameux gestionnaires réalistes que sont Motron et Doucet, eh bien finalement, ce sont ceux et celles qui ont gaspillé l'argent public. Nous, Argenteuil tous ensemble, nous serons vigilants avec le denier public pour que l'argent public aille au public. Et la création des services publics, c'est deux choses. C'est rendre des services à tous les Argenteuillais pour qu'ils se soignent mieux, pour qu'ils s'éduquent mieux à l'école, pour qu'ils réussissent à l'école. J'y reviendrai dans un instant. Et puis l'ensemble des autres services, évidemment. Et puis, c'est donner des emplois aux premiers et premières concernés, de ceux et celles qui vivent sur Argenteuil.
Voilà, par exemple, une porte d'entrée très importante pour nous. La deuxième chose, nous parlons d'emploi social, d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire tous ces emplois-là qui jouent un rôle très important autour de l'écologie. C'est fondamental parce qu'on ne peut pas se raconter des histoires. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing, c'est-à-dire de repeindre en vert avant les élections comme peuvent le faire Doucet et Mautron sur quelques mesurettes, mais comprendre comment l'écologie elle-même peut être pourvoyeuse d'emplois à l'échelle d'une ville, mais de manière massive, faut pas qu'on sous-estime ces questions-là, et puis en même temps répondre au bien-être de la population. Donc cette économie sociale et solidaire est importante. Et puis, parce que c'est une réalité, les commerces font partie de ces endroits qui emploient beaucoup de gens. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit avec le Covid, je l'ai dit pour les logements et le gel des loyers, tous les commerces, pas simplement ceux qui relèvent de la ville d'Argenteuil, des locaux qui relèvent de la ville d'Argenteuil, mais d'Abbé Habitat, de tous les bailleurs sociaux et autres, il faut qu'il y ait un gel des loyers de manière à ce que ces commerces puissent s'en sortir. Ces commerces, dans un second temps, eh bien oui, ce sont ces très petites entreprises, les TPME, les très petites et moyennes entreprises, qui embauchent en France, et c'est vrai particulièrement sur Argenteuil, eh bien, il faut les aider financièrement, et ça, c'est un outil qui peut être plutôt correct. Et puis aider toutes ces petites entreprises, ces petites pépinières. Il y a beaucoup de jeunes qui créent leur propre entreprise. Il ne faut pas délirer là-dessus. C'est très compliqué. Il y en a beaucoup qui travaillent beaucoup pour un petit salaire derrière. Ce n'est pas simple du tout. Il faut les aider aussi de la même manière. Donc on a une panoplie d'aides qui pourraient être mises en place et qui serviraient les argenteuillais. Mais en amont de l'emploi, très important, c'est la formation. Et je veux dire un mot sur l'école. Si on se rate sur l'école, à Argenteuil, quand je dis école, c'est école, collège et lycée, eh bien c'est fini. Parce que c'est une jeunesse qui est en perdition, et une jeunesse en perdition, ça veut dire une jeunesse qui se meurtrit elle-même, qui retourne des violences contre elle-même, contre les autres, et on n'en finit pas. Autrement dit, il ne faut surtout pas rater l'école. Et est-ce que les mairies précédentes, Doucet, Mautron, ont mis le maximum de moyens sur la réussite à l'école? La réponse est clairement non. On a, sur Argenteuil, beaucoup trop de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme, avec une frustration terrible, avec même l'idée que l'école a été faite contre elle, contre cette jeunesse-là, et pas pour elle en réalité. Beaucoup d'amertume, beaucoup de colère. Mais il va falloir qu'il y ait une mission de service public dont la préoccupation première et dernière, c'est la réussite de tous les enfants, et donc ça veut dire une approche individualisée. Tout enfant en échec scolaire doit être aidé. Et particulièrement au moment des échéances, je pense au brevet des collèges, qui est très important du point de vue de l'estime de soi. Ce n'est pas un examen anodin, on l'a ou on ne l'a pas, ça change les choses dans le regard qu'un jeune ou une jeune peut avoir sur lui-même ou sur elle-même, et évidemment sur le bac. Alors ça veut dire aussi un grand questionnement autour des questions d'orientation. Or, le gouvernement, on le sait, la région aussi, ont cassé les centres d'information et d'orientation, même le statut de nos collègues d'orientation. Je dis nos collègues parce que je suis moi-même enseignant, Lucie Jolie-Victoire Daubier, et ça me tient à cœur, mais quand je dis à cœur, vous n'avez pas aidé. C'est une mission première pour beaucoup d'ailleurs de ceux et celles qui travaillent sur Argenteuil. Vous savez, être enseignant dans cette ville-là, on n'y arrive pas complètement par hasard. On a une population qui est en difficulté sociale et du coup aussi en difficulté scolaire. Et quand on reste enseignant sur Argenteuil, c'est pour aller jusqu'au bout d'une histoire, faire en sorte que tous les jeunes puissent réussir. Mais voilà, le rendez-vous des moyens n'est pas à la hauteur et donc il faut qu'on travaille de manière coordonnée à la fois à l'échelon, de l'échelon municipal jusqu'aux échelons scolaires, école, collège et lycée, rectoral, de l'académie, de l'inspection académique, et évidemment du ministère, en mettant des coups de pression. Ça veut dire qu'une vraie municipalité qui est à la hauteur des enjeux, c'est être capable d'affréter des cars, des bus, pour aller manifester parfois devant l'inspection académique ou devant le rectorat pour exiger des moyens pour pas qu'on ait plus de 24 élèves par classe dans les écoles, parce que à plus de 24 élèves, eh bien, parce que c'est un milieu social où il y a des grandes difficultés, eh bien, on réussit moins bien l'école. Et donc, c'est ça la municipalité. C'est une municipalité qui se met du côté des enfants, des parents d'élèves et des enseignants et des chefs d'établissement qui voient d'un très bon œil quand leur école réussit et qui verront d'un très bon œil une municipalité qui donne le maximum pour qu'il y ait une réussite scolaire. Des enfants qui réussissent à l'école, c'est des diplômes, c'est de la formation, c'est la possibilité d'entrer sur le marché du travail avec une certaine estime de soi, c'est pas rien, et évidemment, avec à la clé un emploi. Vous voyez, il y a un ensemble de questions qui doit être mise aujourd'hui sur la table. Je ne dis pas que c'est simple, c'est très compliqué, mais ça suffit. Ce clientélisme à deux balles qui consiste à donner quelques emplois ici et là pour récolter quelques voix, quelques cartes d'électeurs. Ça, c'est plus possible. Nous, tous les enfants argenteuillers et argenteuillaises nous intéressent, et c'est à tout cela et à toutes celles-là
à qui on doit s'adresser, et pour qui, d'un certain point de vue, une municipalité, j'utilise le terme, doit se sacrifier, mais se sacrifier du point de vue financier, du point de vue du temps passé, pour que notre jeunesse puisse réussir. Omar Slaouti, parlons également de l'actualité et de ces milliers de manifestants qui, à travers toute la France, donc, veulent dénoncer le racisme et les violences policières. Ben oui, ça fait partie de l'atmosphère, j'ai envie de dire, planétaire aujourd'hui. C'est très important et c'est merveilleux du point de vue du jour d'après. Beaucoup aspirent au jour d'après, mais M. Macron, paraît-il, eh bien ce jour d'après, il va se conjuguer avec la jeunesse, avec toutes les jeunesses des quartiers populaires et d'ailleurs, qui disent, pas simplement par milliers, on peut dire, enfin, le 2 juin, c'était 40 000 personnes qui étaient réunies devant le tribunal de Paris. Samedi dernier, c'était aussi plus de 80 000, 90 000, peut-être même, d'après les organisateurs, 120 000 personnes. Bon, c'est énorme. Et puis, au-delà de ceux et celles qui manifestent, il y a cette idée qu'on ne va pas pouvoir avancer dans une société comme ça, où il y a des traitements inégalitaires. Et là-dessus, ça m'évoque ce formidable mouvement planétaire de MeToo, de condamnation des violences sexistes et sexuelles. Et on n'en a pas fini. Et à Argenteuil aussi, il faut qu'il y ait des dispositifs d'aide aux femmes qui sont victimes de ces violences-là. Et d'autant plus qu'il y a un 20% de familles monoparentales sur Argenteuil. Il faut les aider. Parce que être femme et être mère et avoir en charge un certain nombre d'enfants à élever avec des moyens qui ne sont pas toujours simples, parce que ce sont souvent ces femmes-là qui sont les dernières de cordée, qui sont d'ailleurs aux premières lignes sur la question du Covid, parce qu'elles occupent des emplois qui ne sont pas simples et financièrement très mal rétribués par ailleurs. Il faut absolument avoir la focale aussi sur ces femmes qui, tant bien que mal, essayent de faire le maximum de ce qu'elles peuvent pour vivre dans la dignité. Mais cette question de l'égalité pour les femmes, elle est vraie aussi pour ceux et celles qui ont parfois, pour certains, pas la bonne couleur de peau. Et donc qu'il y a un mouvement antiraciste aujourd'hui qui dise « Eh, nous voulons être traités à égalité par toutes les institutions et notamment par la police », mais c'est très important. Dire ça, c'est pas porter un discours anti-police primaire, pas du tout. C'est dire que la police, comme toutes les institutions, doit traiter les individus, les citoyens, les citoyennes à égalité de droit. Or, l'État français a été condamné à deux reprises, l'État français, pour contrôle au faciès. Donc, c'est un fait établi. La police fait de la discrimination au faciès. Elle contrôle les individus aussi en fonction de leur couleur de peau. Ça, c'est plus possible. Et ce que nous disent les jeunes et les moins jeunes, un ensemble de vidéos dont M. Castaner, pour partie, s'en est ému. Si M. Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'en est moi, c'est qu'il y a quand même du lourd derrière tout ça. Et donc, nous, ce que nous disons, moi en particulier, qui suis un militant de la cause de toutes les égalités, de celle-ci en particulier, depuis de très nombreuses années, c'est que tous nos enfants doivent être traités à égalité de droit. Et particulièrement par la police. Parce que, évidemment, elle est armée. Et bien souvent, on le sait, que ceux et celles qui tombent dans les mains de la police, qui en meurent, c'est souvent au détour d'un contrôle policier. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre ces contrôles aux faciès et cela. Et en ce qui nous concerne pour la municipalité, ce que nous disons tout de suite, c'est qu'il y aura une structure déontologique, un observatoire de surveillance de tous les dysfonctionnements institutionnels, pas seulement de la police, institutionnels, à l'endroit des citoyens, que ce soit au regard de leur couleur de peau, de leur religion, qu'ils aient un handicap physique, mental ou autre, que ce soit parce que, pour les questions de genre, parce que ce sont des femmes, ou même d'orientation sexuelle, quand je dis « ou même », je m'excuse pour le « ou même », mais je n'ai pas à le dire, et d'orientation sexuelle, bref, tout le monde doit être traité à égalité de droit. Fini l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie, j'ai envie de dire même la grossophobie, parce qu'il y a aussi des discriminations à l'endroit des personnes qui sont fortes et obèses, y compris dans le domaine de l'emploi, il faut l'entendre, ça fait partie des angles morts de notre société. Et puis, de celles et ceux qui ont un handicap physique ou mental et qui ne trouvent pas leur société. Et même parfois au regard de leur âge. Ça existe même parfois au regard de leur âge. Et évidemment, je l'ai dit, au regard de leur genre. Donc vous voyez, ce mouvement qui naît là est juste magnifique. Et puis à Argenteuil, il faut le dire, c'est une triste histoire. À Lésiré, nous l'avons en mémoire, ce monsieur de 69 ans qui a été tué dans les mains de la police. C'est un fait, c'est pas moi qui le dis de manière énervée. L'État français a été condamné pour ça par la Cour européenne des droits de l'homme. L'État français a été condamné pour la mort d'Ali Ziri, âgé de 69 ans. C'était il y a 11 ans, jour pour jour, à quelques jours près, quasiment à 2-3 jours près, et qui, malgré tout, la justice a essuyé un ensemble de non-lieux. Tout ça, c'est pas possible. Et on ne peut pas ne pas penser à Sabri, ce jeune homme de 18 ans. Vous voyez, 69 ans, 18 ans, ce jeune homme
qui était en moto, qui est décédé parce qu'il a rencontré la BAC un soir. Ses parents disent à juste titre que s'il n'avait pas rencontré la BAC, il serait en vie aujourd'hui. Donc là, il y a une zone d'ombre qu'il faut absolument lever. Et les jeunes ont initié une magnifique marche blanche sur Argenteuil. Ils ont appelé leur collectif Lumière, Lumière pour Sabri. Toutes les lumières, la lumière d'abord pour lui parce qu'il la mérite, la lumière parce qu'on veut de la justice sur lui. Et puis la lumière parce qu'il faisait nuit cette noire-là et il fait nuit dans la vie de beaucoup de ceux et celles qui l'entourent. Et donc, il va falloir redonner beaucoup de courage à toute cette famille, à tous ses proches et à tous les Argenteuillers et Argenteuillaises qui sont touchés. Et encore une fois, là je le dis, quelles que soient les orientations politiques, ce qui se passe autour de ce collectif de Lumière pour Sabri, tous les Argentés et Argenteuillaises sont bienvenus pour aider. Quelles que soient ses orientations politiques, on a le droit de diverger sur l'ensemble de causes générales. Mais sur celle-là, pour la famille, comme l'ont montré d'ailleurs tous les quartiers d'Argenteuil, allez, circuler, vous allez voir, c'est, pour ceux qui ne comprennent pas, Gâteau, c'était son pseudonyme. Et donc, hommage à Gâteau, solidarité avec Gâteau, lumière pour Gâteau. Eh bien, Gâteau, c'est Sabri. Et tous les quartiers populaires d'Argenteuil, dans toutes les cités, eh bien voilà, les jeunes ont marqué leur émotion, ils ont fait une marche blanche très digne. Et on est beaucoup à avoir été quelques-uns, un peu dans l'ombre, à verser la larme, tellement c'était beau, tellement c'était magnifique. Et ça, on le doit aux Argenteuillais, aux Argenteuillaises de toute orientation, mais surtout les jeunes en question. Alors la liste Argenteuil tous ensemble a eu le plaisir d'être rejointe dans l'entre-deux-tours par Europe Écologie Les Verts, la section locale d'Argenteuil-Beson. Est-ce que ça va du coup vous obliger à verdir votre programme ? Non, qu'on s'entende bien, nous on ne fait pas du greenwashing comme certains qui posent en vélo sur des affiches électorales ou des petits tracts pour montrer qu'ils adorent les pistes cyclables, sachant qu'on ne les a jamais vus en vélo, peu importe qui c'est. Notre liste, dès le début, a intégré la dimension écologique parce que ça fait partie de la carte de visite. Mais d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'Europe Écologie Les Verts nous a rejoints. C'est parce que d'emblée, elle s'est retrouvée dans le contenu politique, écologique de ce que nous présentons et de ce que j'ai avancé en tant que candidat tête de liste. Bon. Dire cela, c'est dire en même temps à M. Philippe Doucet que c'est pas très sérieux d'avoir des colistiers de sa liste qui ont pris leur carte à Europe Écologie Les Verts entre le premier et le deuxième tour pour essayer d'infléchir la décision d'Europe Écologie Les Verts pour nous soutenir lors de cette campagne. C'est pas très sérieux, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Bon. Par contre, qu'ils développent leur programme écologique. Et je pense qu'il y a des choses du programme écologique de M. Doucet qui peuvent être extrêmement intéressantes. On s'étonne simplement qu'il ne les ait pas mises en œuvre quand il était justement au gouvernail, parce qu'il connaît quand même la mairie d'Argenteuil depuis un paquet de temps. Pareil pour M. Montereau, qui lui aussi avait toute la latitude dans le temps, dans l'espace, pour faire de l'écologie dans le cadre de son mandat. La réalité, c'est qu'on a très bien vu que c'est une question qui lui apparaît totalement subsidiaire, secondaire, y compris même quand il a essayé avec cette fameuse piste cyclable au milieu de l'avenue Gabriel Péri, il a eu tout faux. Il y a eu des encombrements comme jamais, il y a eu du dioxyde de carbone qui a été propulsé un peu partout sur ce centre-ville parce que les voitures bouchonnaient en continu, et puis sans parler de la dangerosité tout simplement. Bref, il a retiré au bout de quelques jours, ce sont que 50 000 euros qui encore une fois sont partis en fumée, c'est notre argent. À nous, Argenteuillais et Argenteuillaises, ce qui pour nous évidemment est un véritable scandale, mais lui il n'est pas à une gabegie près dans cette affaire-là. Donc nous ce que nous disons, notre liste est écologique et on a un contenu écologique. Je vous renvoie tous les uns, les unes, les autres à notre programme que nous avons et qu'on peut vous donner si vous nous croisez, c'est celui-ci, où on développe l'ensemble des questions des services publics, de l'emploi, du logement, et y compris de la jeunesse, du 3e, 4e âge, et y compris donc des égalités, discrimination, mais y compris de l'écologie. Et là-dessus, pour aller très vite, tout de suite, on arrêtera trois projets. Mais en particulier, le fameux projet qu'on appelle Capé-Louise, porté au départ par M. Doucet et ensuite assumé par M. Montereau, qui consiste rien de moins eh bien, à donner les berges de Seine aux promoteurs immobiliers pour faire du grand commerce, pour faire en sorte d'ailleurs que le petit commerce du centre-ville s'écroule. C'est juste en soi, rien que ça, un scandale. Mais aussi ternir l'environnement de tous les riverains qui sont sur ce lieu-là. Et puis, on le dit très clairement, si on doit en effet rénover la salle des fêtes Jean Villard, il faut le faire, oui. Pour tout ce qui est grand projet urbain, on peut avoir le sentiment d'avoir une bonne idée. La première des choses, c'est de demander, et je finirai là-dessus, à tous les citoyens et les citoyennes, eh bien de s'emparer de ces projets-là, parce que c'est leur ville, c'est eux qui habitent le quartier, et de voir ce qu'ils pensent, y compris au regard des dimensions financières, de ce que ça pourrait coûter à la ville. Voilà pourquoi, dans notre programme, il y aura des conseils de quartier,
qui décideront, y compris eux-mêmes, qui proposeront eux-mêmes des projets à leur échelle qui répondent aux besoins du quartier. Et ces comités de quartier auront un budget, évidemment, d'investissement et aussi de fonctionnement, parce que s'il n'y a pas d'argent, il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc, vous voyez, remettre le citoyen, la citoyenne, ceux et celles qui vivent sur Argenteuil, au centre d'Argenteuil, au centre de notre programme, c'est pour nous très important. Voilà, en ce qui nous concerne, pour ce programme Argenteuil Tous Ensemble, porté par moi-même, Omar Slaouti, et Françoise Pajas-Stigler, pour ce second tour des élections. Donc, ne vous trompez pas de bulletin. Le nôtre est vert. On a compris que apparemment d'autres listes avaient choisi aussi un bulletin vert. Ils n'arrêtent pas de nous copier. C'est dommage pour eux. Mais le contenu, il est simple. La liste Argenteuil Tous Ensemble, c'est l'alternative. Ni Motron, ni Doucet. Votez Omar Slaouti avec tout ce que nous pouvons représenter pour cette ville.